les Forzinotes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser, des nouveaux concepts vidéo d'achat là. Donc je me suis dit qu'on allait faire soit à tel montant, acheter sur Amazon, qu'est-ce que j'ai, AliExpress, à Action, n'importe où en fait compte. Et là donc j'ai fait une commande sans compter la litière qui est à part, donc ça je vous montrerai à la fin, ça c'est quelque chose qui était vraiment utile et je vous expliquerai le pourquoi, mais tout le reste je ne devais pas dépasser 20 euros, et donc j'ai commandé sur Amazon des produits pour nos lapinous. Donc je vais vous montrer les colis. Donc pour le premier colis, chose utile je crois, je sais pas hein, mais je sens que c'est ça. On va voir. Vous avez vu, pour une fois, j'ai bien pensé à prendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a quelque chose. Vous savez quoi? J'ai très, très peur de ce que je trouve à l'intérieur. Donc, j'ai eu des promos avec le Prime. Donc pas de... Non, c'est bien ce que je pensais. Avec le Prime, pas besoin de payer la livraison. Donc je suis bien pile dans mes 20 euros. Sinon, ben là, j'avais dépassé largement quand même. Et surtout que j'ai eu ça sous forme de 2 fois. Mais donc 4 colis. Donc la livraison, ouais, elle serait bien, machin. Donc voilà, une petite gamelle en terre. C'était de la terre cuite, c'était noté sur le site. Ça, ça sera pour tisane. La photo, elle va se mettre ici. Vous rappellerez qui est tisane. Parce que mademoiselle a plus de gamelle. De nourriture. Donc, comme elle est à part des autres filles parce qu'elle se dispute avec, elle aura sa propre gamelle. Car on donne 40 grammes de granulés le matin, 40 grammes le soir. Sans compter les légumes et le foin. Hein. Mais ils sont au grammage, via les Anglais que les nains béliers. Et ben voilà, madame n'avait plus de gamelle, donc elle récupère ce qui lui manque. Donc là, je sais plus, la gamelle, on va dire ça, c'était aussi dans l'utile. Si je voulais, je la mettais pas dans les 20 euros. Et elle m'a coûté 2 euros et des cacahuètes. Voilà, un deuxième paquet. Donc, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Celui-ci, ça va, il s'ouvre bien. Et ben ici, on a 2 colis en 1. C'est vrai que j'avais pris plusieurs choses. Donc, j'avais pris des petits joujoux pour éviter qu'ils rognent les bas de plainte, les portes, les meubles, la tapisserie. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ils pourront se partager. Donc ici, pour l'instant, nous avons 3 carottes. C'est pas du rotin, c'est comme du raffia, quoi, pour faire leurs dents. Avec des petites matières différentes, c'est amusant parce que ça leur fait aussi des petits bruitages. Voilà. Donc là, j'en ai 3 et j'en ai encore une là, je vois. Donc 3 petites carottes. Une encore ici qui est identique. Et 2 petits maïs dans le même style, mais à la place des carottes, c'est des maïs. Donc ça nous fait 2, 4, 6. Et ben 6, ils sont 6. Ils sont 6. Voilà, ben, c'est parfait. Ensuite, j'ai ça. Par contre, ça, je vais l'installer dans le salon quand la journée sera en liberté. Comme ça, tout le monde en profite. Et ils pourront aller manger. Donc j'ai vu que c'était du bois de pommier. Donc c'était bien aussi pour leurs dents. Ah ouais, punaise. Incroyable. Je vous jure, l'odeur, c'est terrible. Ça sent trop bon. Donc je vais trouver un système pour accrocher comme un petit peu à une poussette là. Mais voilà, pour eux à la table ou quoi que j'ai là-bas. Et puis ils vont bien s'éclater, je pense. Et puis 2 petites balles. Là, ils ont des grandes. Mais là, ils ont une petite en rota comme ça. Et une tressée. Donc encore plus difficile à rogner, ce qui va être bien pour ma petite toupette, photo ici.
Parce que ben, si vous avez suivi, Toupette a un problème de dentition. Ce qui fait qu'en fin de compte, ses dents, il faut qu'elles se cassent tout seules ou qu'elles se liment, mais elles non. Donc ça fait que tous les allez, 2-3 mois, ça dépend, je dois aller au véto, lui faire couper les dents, limer. Il regarde aussi vers le fond pour voir s'il n'y a pas les dents du fond qui poussent de biais. Enfin, ça fait comme une épine, comme il m'a expliqué. Et en fin de compte, parce qu'il m'a expliqué qu'il y avait déjà des lapins qui ont transpercé la langue. Donc, bon, soyons prévoyants, parce que comme il a dit un abcès de lapin, c'est pas la même chose. Donc, on va écouter le professionnel, hein. Donc là, ça leur fait déjà un jouet chacun et puis des petits jouets extérieurs. Ça, pour la cage la nuit, parce que la nuit, ils rentrent quand même dans leur petit lit douillet. Voilà, donc on a. Je vais tout mettre ensemble. Là, attention, j'ai tenté le jeu d'intelligence. J'essaierai de faire une vidéo avec les différents lapins, voir si quelqu'un d'entre eux est intelligent, le laisser en plein milieu de la pièce et les filmer, voir. Et ça tombe, c'est le chien qui va tout bouffer. Et en fin de compte, je pense à la base, vous avez des petites coupelles où vous mettez. Bah, une petite gourmandise. Alors imaginons un petit bout de pomme, un petit bout de gâterie, un petit bout de banane, n'importe. Et puis vous refermez avec un capuchon. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Je vais essayer de faire un sur deux, que ça se fasse beau au maximum. Hop. Et bah dis donc. Ça y va, hein. Voilà. Donc ça fait ça quand c'est fermé. Et notre petit lapin est-il intelligent ou pas? Hop! Et il devrait ouvrir ça et puis récupérer sa gourmandise. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, par rapport à Maxiso, je l'ai eu à plus de 50%. Il est à 50% moins cher sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, les jouets comme ça, regardez d'abord sur Amazon. Ça vaut beaucoup plus le coup. Et si vous n'êtes pas pressé, que vous attendez assez pour recevoir le colis un peu plus tard, ça vous revient encore moins cher. Et donc voilà, et en dessous c'est antidérapant. Donc ça fait qu'ils peuvent pas le traîner n'importe comment dans la pièce et juste le retourner et dire et j'ai gagné quoi. Voilà. Donc ça c'était la petite prochaine, bah, une des prochaines vidéos où on va bien rire. Hop. Encore un petit colis. Donc dans celui-ci. Je pense savoir ce que c'est parce que bon, le dernier c'est le plus grand. Donc. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'un. Ça va, il est assez grand quand même. Parce que ils sont énormes mes lapins. Énormes. J'ai pris la plus grande taille. De toute façon, il n'y avait pas plus grand. Donc voilà, circonférence. Boum. Et donc en fait, ça leur servira à pouvoir se cacher dedans, à pouvoir le rogner d'ailleurs parce que c'est du carton et il n'est pas coloré, rien du tout, ça s'enlève. Hein. Hop. Essayer de l'enlever sans abîmer, voilà. Tac. C'est bon, après c'est un peu con, c'est vrai. C'est genre 3 euros et des. Ça fait comme un gros rouleau de sopalin industriel. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est dans les industries, pourquoi pas. Mais après. Faut dire que celui-là est propre et dans les industries, souvent c'est sale. Hein. Et en fin de compte, ouais, je vous disais, mes lapins sont énormes. Ils font 2,5 kg pour le plus petit en bois anglais. Et bon, après, non, les autres 2 kilos, ouais, bon, ils dépassent tous les 2 kilos quand même. Mais, à part les nains béliers, les autres sont vraiment beaucoup poilus. Donc, ce qui fait que, en passant, c'est un peu comme une souris, ça va. Pas assez. Nickel. Donc ça, j'ai payé 3,59 € je crois. Donc avec tout ce que vous avez vu là, voilà, là pour ce que je vous ai dit de challenge, avec tout ce que vous avez vu là, j'en ai eu pour 19,99 €. Donc sur Amazon, là, sachant que quand même 50% moins cher, à la boutique Maxiso, si je prends deux carottes comme ça, j'en ai pour 6 balles. Bon, ça va quoi.
Donc je vous remontre les petites affaires. Voilà. Pour les jouer un petit peu intelligent et réfléchir. Bon, ça passait dans l'utile aussi, si on voulait. Celui-là, mais j'adore l'odeur. Franchement, vos lapins, s'ils sont attirés à renier dans votre maison, ça va, à mon avis, les freiner directement là-dessus. Les petites baboules. Les carottes. Ah là, ça tombe bien parce que vraiment 6 pour 6 lapins, quoi. Et voilà. Et maintenant, dernier colis, je vous le montre quand même. Ça sort de la vidéo, même si c'est dans la vidéo. Ça passe pas dans les 20 euros, parce que ça, j'en ai eu pour 30 euros. Et 90 centimes, on a un truc dans le genre. Mais je vous explique le pourquoi. Regardez ça. C'est une litière que je vais mettre dans mon salon. Donc, hors cage, je vais dire pour la journée. Parce que sinon, mais j'ai un bordel, c'est même pas permis. Parce que tout le monde grimpe, tout le monde sort, tout le monde entraîne dans ces jolis poils magnifiques. Quoi? Ben, le bois. Les copeaux de bois, ben c'est pas des copeaux, c'est des granulés de bois. Et donc, ben en fait, on va dans toute la baraque. Donc, c'est pénible. Par jour, tu passes l'aspirateur X fois. Et tu t'en sors pas. Donc, voyons voir. On verra bien si ça fonctionne bien. Donc, bien sûr, j'ai pris dans ma teinte que j'aime. Donc, le rose pastel pâle. Voilà. Boum. Et donc, en fin de compte, au lieu que la litière soit nue, comme ça, on met les granulés. On les installe. Comme un tiroir, donc pour nettoyer, nickel, ben, normalement. Hein. Et là, les lapins posent leur patoune sur la grille. Je vais vous baisser un petit peu. Hop. Donc, ils vont poser leur patoune sur la grille. C'est pas dur, ça leur fera pas mal. Franchement, c'est tout arrondi. Je vérifie avant quand même. Pas de risque de blessure, logiquement. Donc, voilà. Et ils pourront faire leur pipi caca tranquille. J'aurais plus qu'à tirer ça pour nettoyer. Ou non, n'importe, mais au moins ça éviterait d'en avoir partout. Voilà, donc 30,90 €, certes, mais utile pour beaucoup de choses. Déjà, quand tu reçois quelqu'un, t'as pas des petits granulés qui se traînent partout, parce que bon, quand c'est à l'improviste, bof quand même. Voilà. Et puis au moins le chien n'ira pas chercher des granulés de bois à manger parce que je crois qu'il se prend pour un lapin. C'est un chiapin. Je sais pas. Voilà. Voilà quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit haul Amazon pour lapin vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche. Vous aurez des vidéos le mercredi et le dimanche. Et donc, n'hésitez pas à me demander des choses qui vous intéresseraient. Pourquoi pas? Si c'est possible, je le ferai. Et vous aurez un autre haul prochainement dans le mois. Je dépense 20 euros sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai en ou fripe ou ustensile? Ben, on verra bien. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, amusez-vous bien, profitez bien de la vie, et je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye. Voilà, la niche des lapins est prête. Donc, j'ai mis des granulés dans le tiroir. Voilà. Voilà les jouets. Et puis, le petit module. Et voilà, plus qu'à jouer les copains. Allez, à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça te plaît, et à très bientôt.